maintenant au musée Guimet, qui est le musée des arts asiatiques à Paris, que là, sa vocation est affirmée et qu'elle décide de se consacrer justement à tout ce qui se rapproche de l'Orient. Pour elle, c'est ce qui est le plus important. Donc elle va partir un an en Inde, où là elle va loin des Maharajas et des Anglais fréquenter les ascètes, les gourous, les sages. Elle va acquérir justement une expérience en la matière qui va lui servir par la suite. Non seulement elle est très intelligente, elle est vraiment... s'imprègne avec aisance de tous ces thèmes qui pourraient paraître assez abstraits, mais en plus elle a des elle a